De petites adresses secrètes avec des produits introuvables et en plus 100% français, j'ai trouvé l'adresse pour vous planquée dans le quartier du 16e de jeunes entrepreneuses qui ont non seulement la pêche mais qui ont véritablement de vrais trésors, des bijoux avec 80 designers français différents. La classe ou pas? On a décidé de se spécialiser dans la jeune création française. On trouvait qu'il y avait tellement de jolies choses. Et notre credo, c'est vraiment de choisir des créateurs. Donc entièrement, tous leurs bijoux sont à chaque fois fabriqués à Paris, en atelier, génial, en petite série. Et c'est des choses de qualité, tendance, mais à prix abordable surtout. Ça nous tenait vraiment écoute, à cœur. C'est exactement ce qui nous manquait. Voilà, surtout exactement. Que, avant d'ouvrir cette petite boutique, on ne pouvait vous trouver que sur votre website. C'est vrai voilà. Qu'on ne se rend pas forcément compte sur le site. Ils ont envie de choisir, d'essayer, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'après 2 ans, on a décidé d'ouvrir la boutique. Mais écoute, vous avez bien fait. Alors vous avez gardé quand même le service à l'extrême. Hein. On voit que vous êtes parti un petit peu aux États-Unis parce que tu peux aussi te faire livrer. Exactement. Donc, si tu habites à Paris, dans la journée, tu peux être livré. Tu commandes le matin, l'après-midi, tu as ton bijou chez toi. Génial. Donc, super, pas la peine d'attendre quelques jours avant de commander online. Exactement. Et si tu habites en province, tu attends 2-3 jours maximum, donc c'est rapide quand même. C'est sympa de le préciser, hein, parce que toute l'audience n'est pas parisienne. Hein. Exactement. On envoie en 24-48 heures, donc on essaye de faire vraiment plus rapide. Ok. I wanna squeeze your thighs, I wanna kiss your eyelids and corrupt your dreams. I wanna crash your car, I wanna scratch your cheeks, I wanna make you. Maintenant que l'on connaît votre parcours et tout ce qui se trouve dans la boutique, on va passer au moment que tout le monde attend, non pas le testing, mais l'essayage. Ce que j'ai remarqué aussi dans la boutique, c'est que tous vos créateurs, et c'est sûrement un choix qui en fait l'ADN, sont d'une finesse absolue, que tu as à la fois des bijoux colorés, mais aussi de l'intemporel et du basique. C'est ça. Avec des formes originales, exactement, mais simples. On veut avoir de l'original, mais portable. Voilà, vraiment, c'est très important pour nous. Des choses qui sont faciles à mixer, comme on en parlait tout à l'heure, justement, avec si jamais tu as déjà d'autres bracelets au poignet. Donc voilà, on voulait des choses simples, intemporelles, quand même original, toujours de créateur. Donc on a, évidemment, on a quelques pièces un peu plus larges, un peu plus imposantes, mais dans l'ensemble, on essaye toujours d'avoir des pièces fines. C'est ça. Et surtout important, on essaye d'avoir aussi toujours du plaqué or. Typiquement pour la manchette, c'est casse-pied de les enlever tous avant de prendre sa douche, n'est-ce pas? Du coup, comme ça, tout ce que je vais te mettre là au poignet, tu pourras prendre ta douche avec. Et de 1. Parfait. Merci Astrid. À toi maintenant, parce qu'attention, elles sont deux, donc il y a un peu de compétition dans la manchette. Donc, comme Astrid, t'as fait une très jolie manchette, mais assez imposante et plutôt très colorée, moi ce que je te propose, c'est pas de te refaire une autre manchette. Oui, c'est vrai que ça fait un peu brasser de force. Voilà, tu vois, ça va faire un peu too much, je pense. Ça serait joli de mettre des choses un peu plus fines. Tout à fait. Donc alors, regarde ce que je peux te proposer. Je te suis. Un petit rappel également avec le BDM et je pense que ça se mixe bien et c'est très joli avec ton autre poignet sans en faire trop, ça l'habille sans en faire trop, je pense. C'est absolument pas too much, à la limite ça va presque même bien avec mes petites perles sur mon top. Bah écoute, bravo les filles hein.